Bonsoir tout le monde, bienvenue sur channel YouTube l'ami Georges Lan. Nous conformons déjà, pas oublier premier bagage pour faire c'est abonner à channel YouTube Lan. Mauvaise nouvelle pour musique haïtienne, Tinom frère Azor malheureusement li mori. Tinom nous connaît depuis après la mort Azor, donc c'est lui-même qui était essayé kembe Racine Mapou. Diaza t'es toujours en activité, t'es toujours joué des concerts, joué sodo, joué en série de côté, mais malheureusement t'es un homme qui pas de poter le trop bien et il était vraiment en difficulté ces derniers temps là yo côté que il était besoin fait dialyse et nous pratiquement nous connaît qui j'en situation pays hier moun pas ka bouger et à côté de ça faut que il était al fait dialyse là soit États-Unis ou bien Saint-Domingue, malheureusement, Vizal t'est fini. Donc, nous apprenons, il fait toute démarche pour l'Ouest, s'il t'a qu'à renouveler Vizal pour t'aller faire dialyse là et à l'étranger. Malheureusement, il n'est pas possible. Malheureusement, c'est bien dommage. Donc, c'est un homme qui mourit hier jeudi. Hein. Donc, c'est bien dommage. Donc, nous dit toute famille Racine Mapou en West in Peace, tout musicien qui était connu, tout le monde qui était collaboré avec lui. Moi-même, personnellement, moi j'ai eu une chance de faire n'importe deux à trois interviews avec lui. C'était un monde qui était très sage, c'était un très bon musicien tout. Donc il jouait tambour bien, il composait bien et il était chanté bien tout. Donc et malheureusement c'est un coup dur pour musique haïtienne là. Là nous connaît pour pratiquement c'était un homme qui t'a essayé kembe philosophie Racine Mapou de Frèli Azor. Azor n'a pas appelé c'est un nom et pigou artiste qui passait dans question musique haïtienne, donc qui fait le tour du monde, donc qui fait un pile bagay dans le monde là. Mais malheureusement Azor t'est allé avant un homme, mais pour qu'on y a c'est un homme qui fait un crazy quitter ça. Donc c'est bien dommage. Donc encore une fois on a dit rest in peace à Tinom et puis courage à tout l'autre musicien qui a une chance de travailler avec lui de loin ou de près, mais surtout avec la famille Azor.